beaucoup de youtubeurs Mastus est caché dans ce décor. Mais où se situe-t-il? Vous avez 3 secondes. Le gagnant repart avec 1 million d'euros. J'étais ici. Tu ne m'avais pas vu venir. Messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, peut-être que vous le savez, mais on est là pour l'épisode 2 d'un concept que j'ai fait il y a à peu près de cela. 3 mois ? Peut-être que vous avez les mêmes TikTok que moi, mais chez moi, j'ai ça. Des TikTokers qui font des millions de likes sur des expériences qu'on n'a pas forcément l'occasion de tester sur le moment. Mais à chaque fois, on se dit, quoi, ça marche ? Et t'as toujours le doute. Parce qu'il y en a qui vont vraiment faire les expériences, d'autres qui vont les faire pour avoir des likes. Et mentir. Exemple dans le premier épisode. Vous avez beaucoup apprécié ce premier épisode. Aujourd'hui, on fait l'épisode 2. Je compte sur vous pour vous abonner. On est bientôt aux 4 millions. Ça fait extrêmement plaisir. Vous m'envoyez de la force de fou. Vous pouvez laisser un petit like et je crois qu'on est parti. On va commencer avec un exemple très clair, regardez. Un œuf. Vous avez déjà vu sur TikTok des gens avec des œufs qui prétendent. Comme quoi, si tu appuies très fort et que tu serres l'œuf, ça ne se casse pas. Aujourd'hui, je fais le test, je jure d'être 100% honnête. Vous êtes prêts? J'ai trop la flemme déjà de me tâcher. 3, 2, 1... Wesh! Oh, je pensais pas regarder! Je jure sur tout ce que j'ai que j'appuie de toutes mes forces. Oh! Wesh! Regardez, j'ai des traces sur mes mains. Ah, ça commence bien, c'est une expérience réussie. Je suis choqué. Mais pourquoi? Deuxième expérience avec les œufs, très simple. Je viens de m'équiper d'un kawaii ultra stylé. Donc si jamais je pète cet œuf, normalement, il n'y a pas trop de dégâts. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti. Et je vais 100% le casser. 1, 2, 3. Mais comment c'est possible? Ça se casse sur la table à 5 cm. Quand je le sers de toutes mes forces, il se pète pas. Merde. Bon, vous avez compris un petit peu le genre d'expérience? Place à la suite. En fait, ça me semble pas possible. Le premier, à la limite, je veux bien, mais le deuxième, dans quel monde? Et du coup, partant de ce principe-là, tu peux faire une pyramide? C'est parti. On a notre premier jet de sel. Déjà, est-ce que ça tient? Oui ou non? Ça marche. Deuxième. Bon, c'est comme la dernière fois, on commence chill, on verra bien ce que ça donne pour la suite. Ah mais je suis con, donc du coup je dépose ça comme ça. Ça suffit ça, vous pensez? Je suis vraiment pas convaincu, hein. Si ça tient, je pète mon crâne. C'est parti. Mais les gars, c'est un jeu d'équilibre, le sel il sert à rien. Haha, c'est pas grave, hein. Ça me fait pas chier, c'est pas comme s'il y avait 34 grammes de sel posé directement sur la table, quoi, c'est pas... Prochaine expérience. Pour le prochain, vous connaissez tous cette expérience qui consiste à partir de ces ingrédients, brûler le gobelet et se rendre compte que... il ne brûle en réalité. C'est bizarre ça, c'est... Mais attendez, il pleut du feu chez moi? Voilà, il brûle que le plastique, et peut-être la table, et peut-être la table. Mais pourquoi il pleut du feu, wesh? Les gars, wesh. Non, j'ai peur pour la table quand même un peu, attends. Si, ça creuse la table, putain. Oh, ce n'est qu'une table qui coûte un montant... Bon, vous l'avez compris, le plastique brûle, mais pas là où il y a de l'eau, parce que l'eau doit... En fait, j'avais juste à vous l'expliquer, pas forcément à le faire. Vous étiez au courant de cette expérience? Oui, non. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec un ballon de baudruche rempli d'eau. Vous allez voir. Alors, verdict, ai-je brûlé la table? Vous entendez des... En vrai, ça fait pas beau, ça fait pas moche, je veux dire, pardon. Putain... Eh les gars... En fait, je me rends compte, esthétiquement, c'est mieux de mettre une nappe. Pas pour des raisons de sécurité ou quoi, c'est juste on met une nappe. Avec des petits chats. Du coup, vous voyez tous cette expérience. Eh ben, à skip, regardez ce qu'on peut faire. T'es la même voix que ma mère, trop bizarre. C'est parti, on y va. Hop, je vous emmène en mode vlog. Dégueulasse le plan. On n'a pas fait la vaisselle du midi. J'ai l'impression de retourner en maternelle quand on faisait des bombes à eau là. Avec les capotes. Qu'après on suçait les capotes et tout. Avec nos profs. Oh, ça manque tellement ce bon vieux temps. Hashtag nostalgie, hashtag hashtag. J'en fais trop. Bienvenue sur la terrasse du Lotz, première fois que je tourne dedans. J'ai ma bougie, mon ballon. En fait, la bougie, elle sert à rien, les gars, il y a trop de vent sur la terrasse. Je suis pas le plus intelligent hein, de mon équipe. Mais par contre, ça marche pour de vrai, regardez. Hein. C'est le même principe que pour le gobelet en plastique. L'expérience est réussie. Oh, j'allais te faire un truc de gosse, attendez. Venez, je jette la bombe à eau, mais d'ici. On n'a rien vu. L'image est brûlée. Vas-y, mais en fait, c'est dur d'être cadreur. J'en ai marre. Oui, je quitte le tournage. Je vais ramasser ma mère. J'ai mis du plastique partout sur la marée chaussée. Coucou Arnaud. Salut, c'est moi la merde.
Hop. Eh voilà, toc. On peut rentrer, mission accomplie. Pourquoi il y a de l'eau partout? On dirait que j'ai fait exploser 4 bombes à eau au lieu d'une. Ok, prochain objet, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas ça dans ma liste de TikTok. Je suis Laka et j'ai bientôt le million d'abonnés. Abonnez-vous. Putain. Putain de merde. C'est pas la première fois que ça arrive, on dirait. Genre, comment il fait ça? Mais ça, si ça marche, c'est une dinguerie. Il y a sans doute une explication scientifique à tout ça, mais ici, on n'est pas scientifique, rappelez-vous, pas plus tard qu'il y a 10 minutes. Mais pourquoi il pleut du feu, wesh? Je me suis un petit peu renseigné pour cette expérience. Il nous faut donc un verre d'eau, deuxièmement, de la limaille de fer. Messieurs, dames, c'est parti. Ok. Je suis pas un expert en science, mais je crois que c'est un bide. Ça marche pas du tout, c'est de la publicité mensongère. J'essaye dans l'eau. Ah ça c'est un peu stylé quand même. Mais les gars je suis un CM2, je fais mes muses avec vraiment pas grand chose. Pourquoi j'ai les poils de mon père sur mes trucs? Waouh, l'expérience c'est une déception. Dernière fois que j'ai été dessus comme ça c'était de ma performance au lit avec ma meuf. C'est toujours pareil, ça saoule. C'était mon goûter? J'avais trop la dalle, désolé, je fais une pause. Vous souvenez-vous dans l'épisode 1, on avait fait cette expérience. Ok, retourne la bouteille. Retourne, retourne! Mais gros, c'est pas une dinguerie en vrai! J'ai vu le step au-dessus, regardez. Ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Hein. On teste tout de suite. Il me faut du sopalin. Tintin, 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 tintin. Les gars, ça marchera jamais, c'est sûr. C'est parti. Ok. Il fait comment après, il tire dessus? J'ai peur de foirer l'expérience, les gars. C'est le moment tant attendu. Je retourne le verre, est-ce que vous êtes prêts? 1. Je le fais au-dessus de la table, nique sa mère. 2. Si jamais il y a de l'eau partout, je pleure. 3. Je vais pleurer, 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 j'ai pas envie. Fils de pute. Faut retourner d'un coup, vous pensez? Bah, fils de pute! Ça a un peu marché. Non, la table! Putain! Il y aura 2 épisodes de cette série de merde, je vous le dis! J'avais pris plein de serviettes parce que je savais que j'allais faire de la D. Bon, bah voilà, on va pouvoir changer de nappe. De toute façon, elle était moche, je préférais la table. Oh putain. Ni vu ni connu. Waouh! Mais ça, j'ai vraiment très envie de savoir si ça marche. Donc je vais aller au McDo, je vais demander un grand verre, un moyen verre, un petit verre. On va voir si c'est au final les mêmes verres ou non, pour savoir si on peut économiser un peu d'argent ou pas. On se retrouve le lendemain. Bon, messieurs, dames, on est, j'avais dit le lendemain, en fait, on est 4 jours après. On a commandé les boissons, je suis pas allé les chercher au drive, j'ai eu ce qu'on appelle un grave souci de santé, la flemme. Du coup, les boissons sont juste ici, on va pouvoir faire le test. Je vous le dis, en les voyant ici, ça me semble impossible qu'on mette les mêmes contenances. Où est la balle? C'est l'heure de vérité, regardez. C'est comme ça. Zéry, je fais pipi. Donc le petit, on est d'accord, je peux mettre absolument tout. Maintenant, passons au moyen. Attends, je suis quand même un peu choqué parce que là, il reste pas grand chose dedans. Et tu le payes genre 2€ de plus. Dernier gobelet. Non mais lui, c'est sûr. Lui, c'est sûr, ça ne marche pas. Bon, moralité, prenez soit le petit gobelet, soit le grand. Mais pas le moyen, le moyen c'est la douille. Parce que là, le verre est rempli et il reste quand même tout ça dedans. Un peu claqué l'expérience, c'était évident, hein, mais on l'a fait au moins. Ça, j'ai envie de le faire. Je pense que c'est scientifiquement prouvé, mais j'ai envie d'assister à ça de mes propres yeux. On est parti, je vous emmène dans la cuisine du l'autre, on y est déjà allé tout à l'heure, y a pas de suspense. Let's go. Regardez chez moi. Une petite plaque juste ici, une canette vide juste ici. C'est parti pour l'expérience. Hop, avant ça on camoufle la vaisselle. Cuisine toute propre. Vous êtes prêts? On va tester l'expérience, on a la canette et je sors de ce pas. C'est un glaçon géant. Et de l'eau bien fraîche. Ça va être long hein, enfin, ça vous laisse le temps de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1... Ça marche pas. Je l'ai mal fait, c'est ça? Loup. En vrai, je pense que l'expérience d'avant aurait dû marcher, mais je l'ai pas assez chauffé, je pense. Bref, prochain TikTok. Ça, je suis trop curieux de voir. Est-ce que ça traverse vraiment tout le polysirène? Regardez le bloc qu'on a. C'est un mastodonte. On va faire le test maintenant, on passe en caméra mobile. A tout de suite. Je suis pas dans le champ. A tout de suite. On attend tous quelque chose de cette expérience, c'est qu'elle marche.
C'est la clé de mon studio. Vous pensez qu'elle sera encore utilisable derrière ou pas? Moi je pense pas. Ça pue une odeur bizarre là. J'ai l'impression que je suis en train de m'intoxiquer. Je le pose? Ça, c'est bien noir là. C'est plus noir que moi. Ça va pas transpercer. T'es sûr? Parce que... Ça transpa marche! Oh let's go! Mais attends, c'est... Oh, le pôle sirène, c'est de la D en fait. Les gars, je suis trop chaud. Ah, je suis un scientifique. Senku, il a qu'à bien se tenir avec ses cheveux en pétard. Et moi, regarde, je suis un scientifique, je mets une blouse tout de suite. T'es impressionné ou pas? Je suis charismatique, là. Je suis charismatique? Là. On a fait des travaux colossaux, là. Hein. C'est impressionnant, en vrai. Bah, expérience réussie, ça me fait plaisir, vous voyez. Je m'accorde une petite pause, là, pour la peine. C'est ma deuxième. Mais j'ai trop envie d'essayer. En fait, j'aimerais que ça fasse l'effet et qu'on arrive à la voir à la caméra. Je vais placer deux sepas, les sparadraps qui m'ont été préparés. Bon, c'est pas des sparadraps, c'est du gros scotch. Si jamais ça marche pas avec le gros scotch, on essaiera avec le sparadrap. Je l'ai mal fait, mais c'est avec le gros scotch, je le réessayerai avec du sparadrap. On va aller se mettre dehors pour tester. Allez, suivez-moi. C'est par ici. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Je l'envoie par là. 3, 2, 1. Ça n'a pas marché du tout. Même pas une seconde, rien. Non, mais c'était prévisible, je l'ai mal mis. C'est bon, il y avait personne, j'ai même pas regardé s'il y avait quelqu'un en bas. À tout moment, il y a un gars, il se prenait là les gouttes d'eau. Deuxième tentative. Les gars, il y a Arnaud qui est venu m'aider. Il a pas arrêté le jet d'eau, du coup, le ballon, il est un peu gros. Ça va marcher. Ok, messieurs, dames, Glanka qui arrive en tant que guest pour la dernière expérience, je sais plus, l'avant-dernière, bref. Hop, imagine, il y avait une écharpe sur la table et ça pétait maintenant. Je le colle, c'est parti. Wow, mais tu l'as que bonjour. Ouais. Regarde, tu oh! C'était quoi l'expérience avec ce truc? C'était en gros, je devais faire brûler une canette et après la mettre de l'autre côté. Tu peux voir? Ah, si, si, il voit bien là. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Ok. Là, je fais vraiment une petite croix après. Hein. Je me suis mis de l'eau dessus, on dirait que je me suis pissé dessus. Attends, je triche comme ça, au moins on se verra pas. Oh, il a pissé ou quoi? Mais attends, mais c'est pas du scotch comme ça. Mais il est con, quoi, votre. C'est quoi? Mais t'as fait du scotch pour quand on se fait des bobos? Eh bah oui, bah. Non, il faut du gros scotch comme ça. Non, on a essayé, ça marche pas. Oh, j'y crois pas une seconde. Hop, moi j'y crois là. En plus, il y a une bulle, faut pas qu'il y ait de bulle. Bon, écoute, si t'es là pour faire ça, ça fait le moral. Moi, je veux juste que ça fonctionne. J'aimerais tellement que à la place du scotch sur ma verge là. Tu plaques ça là. Tu plaques ça comme si c'était moi contre un mur. On va dehors. Non, on fait ça et on rattrape dans ça. Mais gros, alors vraiment. Moi je pense qu'on aura le temps de. Vas-y, ok. Je vais chercher du sopalin. J'ai envie de le percer maintenant. Quand tu reviens, il y a plus. Mais il en a d'autres, non? Ouais. Ok. T'es prêt, Arnaud? Oui, un coup sec. Un coup sec? Ok. Tu te rends compte juste. Que j'ai pas confiance, mais. Tu te rends compte juste qu'on y. Eh, hey, attends, tu récupères l'eau quand même, t'essayes. Oui, mais je vais on va essayer. Inonder la table, l'eau tout, hein. T'es prêt? Oui. Je t'aime, Arnaud. Réceptionne! Je peux rien faire! Oh, ça marche! Ça fait! Ça marche là! Attends, penche-le pour voir si ça le fait. Ça marche! Ça fonctionne ou? Ça marche un petit peu! Attends. Non, mais ouais, c'est Arnaud! Arnaud! Mais arrête! Ça déborde! Oui, je sais! Je le sais! Arrête! Attends, c'est bon! Attends, tu veux faire le tour pour qu'il voit? Mais c'est ce que je t'ai dit quand je t'ai dit le ballon il fait 4 fois plus que. Non, vraiment, par contre, tu mets l'image du ballon comment il est tourné. Pas du tout. La table elle coule par le milieu. Mais attends, mais comment on peut faire là? Non, mais attends, je réfléchis, on a même pas de serpillière. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. En vrai, là, on va faire du ménage du coup parce que bah on a inondé de l'autre et j'ai peur que ça inonde l'étage du dessous. Ballon, il y avait 300 litres. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit like. Je vais essayer de retrouver des TikTok pour faire un épisode 3. J'essaierai peut-être de louer un endroit en conséquence pour éviter ce genre de dégâts. Mais non, mais on a une salle. Ouais, c'est vrai. Bah, t'as pas fait dans la salle. Eh hey, oh, on a des cerveaux, on sait pas tout. De louer un endroit, un local, il fait 600 mètres carrés. En tout cas, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, vous abonner à la chaîne de Linka. Tout est dans la description, sinon vous checkez, vous tapez Linka, vous tapez Mastu, hop, abonné. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de prochaines. C'était Linka, qui est hors champ, Linka, qui est en champ. Au revoir. T'es pas mal. Et Mastu, bye bye.